Yo les petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui, petite astuce pour faire notamment en solo le dernier défi pour le camouflage des défis et récompenses Warzone saison 4 dans la section mode qui vous demande donc en Battle Royale d'atteindre le top 10 sans aller au goulag au cours d'une même partie. En gros, comme il y a le mode redéploiement en solo, donc le buyback BR solo, et ben en fait il n'y a pas de goulag. Et donc du coup, même si vous mourrez et que vous réapparaissez tant que vous avez de l'argent, et ben si vous arrivez dans le top 10, ça valide le défi. J'ai fini je sais plus combien, mais en tout cas j'étais dans le top 10. J'ai pas fait beaucoup de kills, hein, peu importe, mais l'important c'était de tester et de voir si ça marchait. Et en effet, ça valide bien le défi. Donc pour quand vous êtes en solo, c'est plus simple à faire. Parce que sinon, moi j'avais envisagé de faire du solo versus squads. Ou de jouer tout simplement avec des personnes random, parce qu'en squads, bah c'est là où il y a le moins d'équipes en fait, statistiquement. Vu qu'on est censé être 120 joueurs, il y a une trentaine d'équipes, donc vous pouvez plus facilement arriver dans le top 10. Sinon, le buyback BR solo, là, le redéploiement en solo, jouez plutôt le matin, il y a moins de monde dans les lobbies. Et donc, du coup, bah pareil, statistiquement, vous avez plus de chances d'arriver dans le top 10. Petite astuce supplémentaire, faites absolument les contrats, envoyez les renseignements, ça vous donne les zones à l'avance. Parce que, en gros, dans ce mode, le but c'est pas de faire le plus de kills, si vous voulez valider le défi, c'est d'aller au moins dans le top 10 et donc peut-être de connaître les zones à l'avance. Et quand vous faites envoyer les renseignements, ça vous donne chaque fois la zone à l'avance. Et donc, si vous en faites beaucoup déjà, ça vous donne de l'argent, donc ça vous permet de vous redéployer. Ce qui n'annule pas le défi si jamais vous mourrez et que vous êtes redéployé, vu qu'il n'y a pas de goulag. Et en plus, ça vous donne les zones à l'avance, ça vous permet de vous déplacer, de vous connaître où va finir la zone finale et d'avoir plus de chances de terminer dans le top 10. Voilà, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.